Pour toutes les fêtes de Tabaski, c'est la joie, la réjouissance. On se retrouve en famille, on bénit entre nous et aussi on bénit pour le pays. Donc on ne peut que se réjouir de se trouver ce matin ici en bonne santé. En fait, aujourd'hui, c'est bien vrai que au niveau de l'actualité, surtout de la vie sociale, la question, il a mis un accent sur la question de l'eau et l'électricité, mais plus particulièrement sur l'électricité. Il faut savoir que nous, en tant qu'autorité, ça ne nous plaît pas de constater le délestage, mais les deux barrages qui fournissent 85% de l'électricité, aujourd'hui, sont en souffrance. Et il y a des solutions qui sont en cours. C'est bien vrai que nous sommes en crise. On travaille pour à la fois résoudre ce qui est là, mais pour éviter de se retrouver dans des crises perpétuelles. Donc, vu que personne n'a un contrat avec la nature, en ce qui concerne la pluviométrie, on est en train de travailler là-dessus. J'ai bien écouté le cri du cœur de l'imam, mais sache que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour trouver des solutions. C'est un message de paix, d'entente, de patience. Vous savez, le développement, c'est une question de patience. Cela ne peut pas évoluer, on ne peut pas travailler ensemble si on ne s'entend pas, s'il n'y a pas la paix dans la cité. On voit aussi que les jeunes manifestent pour casser lorsqu'il n'y a pas d'électricité. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de manifester, mais ça ne résout pas le problème. Ça veut dire qu'il faut patienter. Et nous, autorités aussi, de communiquer sur les problèmes afin que les gens sachent exactement ce qui ne va pas et quelles sont les solutions qu'ils sont en train d'apporter. Merci.